Coucou tout le monde, c'est Nice, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, on va refaire un petit peu un format vlog, même si les vlogmas sont finis, puisque j'avais un petit craquage de Noël, on va dire, à vous montrer. Donc un énorme book haul, et j'avais un petit peu la flemme d'attendre fin janvier en fait, pour les insérer dans mon vlog de janvier. Donc voilà, on va faire cette vidéo là comme ça. J'en profiterai un petit peu pour vous insérer quelques plans que j'ai pu faire pendant mes vacances. Donc nous sommes allés dans la région de Caen, parce que mon chéri est originaire de là-bas, et j'ai visité quelques librairies qui, franchement, elle donne le tournis. Alors, je vais commencer par les BD, enfin la BD. Pendant mes vacances, donc j'ai eu une petite surprise qui s'est glissée dans ma boîte aux lettres. A priori, elle n'a pas trop souffert du mauvais temps puisque la boîte aux lettres n'était pas inondée. Il s'agit donc du Petit Derrière de l'Histoire, le tome 2. J'ai participé à la campagne Ulule, donc créée par Katia Even, l'autrice de cette BD. C'est quelque chose que j'ai un peu hâte de lire. J'avais bien aimé le tome 1. En fait, si jamais vous ne connaissez pas, on est sur un principe assez simple. Derrière chaque grand homme, on dit qu'il y a une femme, et si c'était la même femme, en fait, tout simplement, derrière tous les grands hommes. Donc Marie va voyager dans le temps à cause d'une machine à remonter le temps un peu folle, et elle va aller au chevet de plein d'inventeurs différents ou de grands hommes historiques, et elle va quelque part être l'idée d'une invention. Elle va être le moteur de ce genre de choses, voilà, donc elle va glisser des idées à l'oreille de leur créateur, et une fois que l'inventeur a eu l'idée, ben elle s'en va et elle va passer à la personne d'après. Voilà, donc le tome 1 était assez plaisant. Le seul reproche que je peux faire à cette BD, c'est justement le côté un peu rush, puisque bon, on est sur de la BD franco-belge, hein, donc il y a une cinquantaine de pages, et voilà, je trouve que c'est assez rushé, puisqu'il y a une cinquantaine de pages pour faire Enfin, on va visiter pas mal de gens. Donc voilà. Dans les bonus, je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par contre, juste l'ex libris, je le trouve sublime. On a un effet de vernis sélectif aussi, donc je trouve que l'autrice nous a vraiment gâtés par rapport à ça. Ensuite, donc pendant mes vacances, je me suis fait un petit peu la tournée de toutes les librairies qui étaient spécialisées dans les graphiques, puisque j'étais à la recherche du petit miraculé de Noël. Donc j'étais à la recherche de Perquadar Corporation, le tome 5. Et le miracle de Noël a eu lieu, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes allés faire les librairies principalement le lundi. Le lundi, il y avait quelques librairies qui étaient fermées et d'autres qui étaient blindées, voilà. Et donc toutes celles dans lesquelles je suis rentrée n'avaient pas ce petit volume, cette petite série. Et donc celle-ci, je l'ai trouvée le mardi, le dernier jour consacré aux emplettes, on va dire. Enfin, carrément le dernier jour sur place. Et je devais le lire le 28, donc voilà, j'ai réussi à le trouver. Vraiment, la boutique dans laquelle je l'ai trouvé, c'était la boutique de la dernière chance, le dernier espoir. J'ai discuté un petit peu avec les vendeurs, parce qu'ils me voyaient un peu en mode, en train de chercher, quoi. Et je leur fais, est-ce que par hasard, vous auriez la série Perquadar Corporation? Parce qu'il y avait même des librairies dans lesquelles je leur parlais de la série, et inconnu au bataillon, ils savaient même pas de quoi je parlais. Donc, au moins, ceux-ci, ils savaient, et ils m'ont dit... Ben, en fait, c'est une série qu'on vend avant Noël, donc on l'a du 15 au 25 décembre. Là, je suis pas sûre qu'il en reste. Ah! Et au final, non, il leur en restait
1. Bon, et bien sûr, j'en ai profité pour acheter d'autres tomes. Hein. On ne se refait pas. Voilà, j'étais en retard sur pas mal de séries à cause de mon break, de ma trêve de Noël. Donc, j'en ai profité pour compléter Elfenlied. Donc, le tome 3, nous sommes déjà à la moitié. Ça y est, à la fin du tome 3, on est à la moitié. Donc, je vais bientôt pouvoir me les lire. J'ai pris aussi le tome 3 de Terrarium. Pareil, il en reste plus que un avant la fin de la série. Donc celui-là, je vais peut-être pas trop tarder à me le lire. Et enfin, les tomes 5 et 6 de Granblue. Voilà, puisque j'étais aussi en retard. Je dis et enfin, mais pas du tout en fait, il y en a encore un après. Ouais, ça c'est une série que j'aime beaucoup, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Mais en tout cas, on est sur de l'humour un peu beauf, ok? On est sur de l'humour un peu tourné autour de l'alcool, etc. Puisqu'on va suivre des étudiants. Mais c'est vraiment une bouffée de rire, quoi. À chaque fois que je les lis, ça me remet le spine direct. Et en parlant de fin de série, pas du tout, je parlais pas du tout de fin de série, mais voilà, je me suis procuré aussi le tome 12 de Tokyo ESP. C'est comme le tome 11, un volume triple, donc c'est clairement une petite bible. Panini ne respecte pas du tout ses lecteurs par rapport à cette série, hein, donc on est sur un format cartonné, on n'a pas de jaquette, on est sur du carton assez simple qui protège pas tellement le livre. Du coup, en illustration, bah, on n'en a qu'une au lieu, enfin, on n'a qu'une couverture au lieu d'avoir les trois. Les deux autres, elles sont à la fin dans les espèces de bonus additionnels. Voilà, imprimés en noir et blanc sur du papier. Donc voilà, par exemple, les couvertures des tomes 14 et 15 ou 15 et 16. Voilà, donc clairement, Panini ne respecte pas ses lecteurs par rapport à cette saga, mais au moins, elle est terminée. Voilà, donc je vais pouvoir, pareil, c'est pas une série que j'ai commencée, mais maintenant que je l'ai. Bah, je vais pouvoir la lire d'une traite. Bien, donc j'ai terminé pour les achats en manga, donc en neuf. Je vais passer à mes cadeaux de Noël, comme ça je vais pouvoir faire un petit pont brièvement. Alors, cadeau de Noël, je vous l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, j'ai reçu le troisième coffret des adaptations de Lovecraft par Gō Tanabe. Donc ce coffret contient l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Avec donc celui qui hantait les ténèbres en vert et en très très fin. Je pense que je commencerai par celui-ci. Mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais les lire. Là, avec les jours qui sont assez petits, j'avoue que l'horreur et tout ça, c'est pas trop ce qui me botte. J'attendrai peut-être cet été. Ensuite, donc mon chéri m'a offert également l'intégrale de la série Lock and Key, donc en comics. C'est un beau bébé, hein, le bouquin est assez gros. On a droit à une édition avec donc la première page en cartonné, c'est du hardback. Et donc ça contient l'intégralité des 6 volumes. Ici, on est publié par les éditions iComics. Et voilà, donc c'est une série dont j'ai regardé l'adaptation sur Netflix, donc j'ai regardé les deux premières saisons. C'est vraiment un univers qui m'enchante et qui me plaît beaucoup. Même si c'est peut-être un peu jeunesse pour certains, moi je tombe totalement à l'intérieur de la série, ça me happe et voilà, j'avais très envie de découvrir la saga aussi originale, donc sur son support original en comics. Et bien voilà, maintenant je vais pouvoir me plonger dedans. Et je termine cette petite session cadeau de Noël avec un roman. Il s'agit de À l'ombre de l'arbre Cory, qui est publié ici chez France Loisirs et écrit par Sarah Lark. On va nous parler d'une histoire d'époque, donc 1700 quelque chose ou 1800 quelque chose, 1875, et l'histoire va se placer en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, j'ai lu le résumé le 25 quand je l'ai reçu, ça m'avait assez plu, donc on va partir. Je crois d'une famille qui a eu un enfant assez, enfin qui est assez grand, qui est parti de la maison, genre il est allé faire une guerre ou quelque chose comme ça, et il va revenir et ça va rechambouler tout le quotidien de la famille. Il me semble que c'est à peu près ça le résumé. On est d'accord, c'est pas très étoffé, etc. Ça vous donne rien. Par contre, bah voilà, je l'ai lu il y a genre 5 jours et je me rappelle pas plus que ça. Donc je pense que je vais attendre encore un tout petit peu, histoire de vraiment tout oublier et pouvoir me plonger dedans en sachant le moins possible et en pouvant découvrir complètement ce roman. Et maintenant, il me reste à vous parler de tout ça. Alors tous ces achats-là ont été faits dans une librairie qui s'appelle Mémoranda, qui se situe à Caen. Pour tous les amateurs de livres qui sont normands, je sais pas s'il y a des normands qui me suivent, mais on sait jamais. Si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il s'agit d'une librairie qui ne fait que de la vente de bouquins d'occasion. Ils ont aussi quelques DVD aussi. Donc voilà, c'est que des livres d'occasion. C'est vraiment gigantesque. Il y en a véritablement partout, hein. C'est le genre de boutique où on rentre. Bon, déjà, il y a des étagères sur tous les murs.
qui sont blindés. Il y a des livres du sol au plafond, donc c'est pas rare qu'on ait besoin d'un escabeau pour aller ne serait-ce que lire le titre de tous les romans qu'ils ont. En plus de ça, au centre des pièces, il y a des... Je sais pas comment on peut dire, comme des îlots centraux, on va dire, comme les termes de cuisine. Il y a des îlots avec donc, des livres tout le tour de l'îlot, plus par-dessus la table. Tout est sectionné par genre, par type. Donc on a tout ce qui est roman historique, on a tout ce qui est littérature étrangère, on a un îlot policier, on a un îlot SFFF, on a un îlot avec vraiment la littérature blanche, on a un rayon jeunesse qui déborde de livres. Et à côté de ça, donc cette librairie est aussi sur deux étages. Donc quand on monte les escaliers, on se retrouve avec la littérature en étranger, enfin en anglais. Il y a un rayon livres en anglais. On a des rayons sur le voyage, la photographie, le bien-être, le développement personnel. On a deux rayons qui m'ont beaucoup fait rire, c'est littérature rose et enfin les bibliothèques roses et les bibliothèques vertes. Donc chacun avait sa petite bibliothèque. On a des rayons sur le sport, sur les people, sur ce genre de trucs. Voilà, donc les autobiographies des sportifs, etc. On va pouvoir les retrouver là. Et donc une fois qu'on est monté à l'étage et qu'on a tout traversé l'étage, on peut redescendre ailleurs, puisqu'en fait la librairie a une devanture, je dis n'importe quoi, mais admettons sur le 1, sur le numéro 1 de la rue. La boutique d'à côté, donc le numéro 3, ça va être autre chose. Et le 5, bah c'est re-eux en fait. Donc on peut faire le tour, on peut accéder au 5, puisque le 5, on peut pas y accéder par l'extérieur. Donc il faut qu'on rentre au numéro 1, qu'on traverse tout l'étage et qu'on redescende dans le 5 à part l'intérieur de la boutique. Donc vraiment, juste la boutique en elle-même, ça vaut le détour, quoi. Même si vous n'êtes pas branché livre, franchement, on peut se perdre dans ce petit labyrinthe, quoi. C'est vraiment génial. Bref, et donc dans cette librairie, j'ai fait pas mal de craquages. Donc je vous ai montré ma petite pile. On va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais commencer par mes petits fails. J'ai appris donc la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, enfin bref, le jour de son décès, j'ai appris que Anne Rice nous avait quittés. Et je me suis dit que oui, en fait, c'est une autrice que j'avais un peu dans mon radar. Et malheureusement, je n'ai pas encore de livre d'elle, je n'en ai jamais lu. Par contre, sa saga sur les vampires m'intéresse fortement. Donc, bien sûr, dans leur rayon SFFF, ils en avaient. Par contre, j'ai pas pensé à les ouvrir. Donc, je me suis pris Vittorio le vampire en pensant que c'était un tome. Bon, je savais que c'était pas le premier, parce que le premier c'est Entretien avec un vampire et le deuxième c'est Lestat. Donc je me suis dit, bah, vu que le deuxième c'est Lestat, c'est un prénom, si ça se trouve, Vittorio, ça va être un tome peut-être 3, 4 ou que sais-je quoi. Et que j'en aurais pas spécialement beaucoup à acheter avant de pouvoir lire celui-ci. Sauf que non, en l'ouvrant, du coup, là j'ai la liste de tous les romans d'Anne Rice dans cet univers-là. Donc là, c'est vraiment les chroniques du vampire. Il y en a 10, quand même 10, hein. Il y a la saga des sorcières et là, il y a les nouveaux contes des vampires. Donc lui, c'est, si je prends juste la saga vampire, c'est le 12e. Voilà. Donc celui-ci, je sais pas, je vais essayer de le lire, je pense. Un jour, j'essaierai de le lire, voir si je peux le lire indépendamment des autres sagas. Quitte à me spoiler un petit peu sur le début de la saga, mais bon, tant pis. Et sinon, je me suis aussi pris Taltos, donc toujours de Anne Rice. Pareil, pour moi, c'était un prénom, donc c'était dans la saga des vampires. Sauf que non, en fait, on est ici sur la saga des sorcières. Voilà. Et Saga des sorcières, c'est le 3e tome. Donc celui-ci, c'est moins gênant, il m'en manque deux. Par contre, voilà, j'ai deux bouquins de l'autrice sans que ce soit dans la même série déjà. Tant pis, mini fail. Ensuite, le problème que j'ai eu dans cette librairie, c'est ce qui va dénoter un petit peu sur le reste du bookhaul, c'est que, bon, déjà même avec ceci en fait, c'est que j'ai trouvé énormément de sagas, sauf qu'il n'y avait jamais le tome 1. Donc oui, pareil avec Entretien avec un vampire, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Et en fait, ce que me disait la vendeuse, c'est que bien souvent, il y avait des gens qui tentaient, donc enfin, il y a des gens qui rapportent la saga en intégralité au magasin et il y a des acheteurs qui tentent. Donc ils prennent le tome 1 et ils laissent la suite de la saga. Donc ben moi je suis un peu tombée sur des séries que j'avais un petit peu dans mon radar. Et malheureusement, toutes ces séries-là, il y a quelqu'un qui a dû les tenter. Puisque j'ai trouvé Le Choix des Ombres, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est une série qui est publiée aux éditions Milady.
et l'auteur Brent Weeks. Donc celle-ci, j'ai dû l'avoir passée sur Livradict et il me semble qu'elle avait des assez bonnes notes, j'avais lu le résumé à l'époque. Là, je vais pas lire le résumé puisque c'est le résumé du tome 2. Donc un peu moyen. Et voilà, donc il faut que je me trouve le tome 1 pour pouvoir les commencer. Donc voilà, en regardant les livres derrière, a priori c'est une saga en 4 tomes, donc j'en ai la moitié et je les ai trouvés à vraiment moindre frais. Ensuite, même topo, une saga dont je n'ai pas le tome 1, il s'agit des Cavaliers de l'Apocalypse, donc j'ai le tome 2. Le 3 et le 4. Voilà, on est content, mais on n'a pas guère le tome 1. Donc voilà, celui-ci, il va falloir que, pareil, je me le retrouve en occasion ailleurs, parce que ça me fait un peu yèche d'avoir payé les 3 en occasion et d'avoir le tome 1 en neuf, par exemple. Bref, celle-ci, c'est une série que je sais terminer en 4 tomes, voilà, puisqu'on a les 4 cavaliers, ça paraît logique. Et si je dis pas de bêtises, j'ai dû les voir sur la chaîne de Lorraine, Les mots de l'imaginaire. Voilà, elle en avait très bien parlé, je les avais notés dans ma wishlist. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais en tout cas, c'est classé en bitlit. Donc, je suppose que dans tout le lot de ces pages, il va y avoir de la romance surnaturelle. Ensuite, on va rester un petit peu dans la bitlit, puisque j'ai trouvé les tomes 5 et 6 de Rebecca Kyne. Si je dis pas de bêtises, c'est une série qui est complète en 7 tomes. J'ai réussi à trouver le tome 1 pas trop cher sur Rakuten, donc à voir si je me l'achète ou pas. En tout cas, voilà, c'est une série qui me tente pas mal aussi. Je l'ai vu pas mal passer sur BookTube et je me suis dit que vu que j'avais bien accroché avec Charlotte Davidson, le genre bitlit ne me rebute pas. Donc voilà, pourquoi pas tenter celle-ci aussi. Et enfin, dernier livre de ce book haul, il s'agit du tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est un bouquin que j'ai vu, que j'ai trouvé dans mes librairies traditionnelles dès que le tome 1 est sorti. Ça m'avait marqué puisque les tranches sont imprimées en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Par contre, à 20 balles le bouquin, bah je les ai un petit peu laissés de côté. Voilà. Et donc là, il y avait le tome 2 à moitié prix. Donc je me suis dit que voilà, si j'avais que le premier tome à acheter, bah ça me faisait 25% de réduction sur la série au complet, puisqu'il n'y a que 2 tomes pour le moment dans cette série. Je sais même pas s'il y en a plus. En tout cas, voilà, j'ai pas voulu laisser passer ma chance et laisser passer ce bouquin. Sinon, je vais vous faire un petit peu un bilan lecture donc de tout ce que j'ai pu lire dernièrement. On va commencer avec mon traditionnel challenge de l'hiver, de relire les Père Fouettard Corporation et d'ajouter le tome qui vient de sortir. Donc je vous ai déjà raconté un petit peu la galère que ça a été pour trouver ce tome 5. Comme d'habitude, c'est un plaisir, vraiment c'est un bonheur de retrouver cette série. Je suis en train de me dire que le premier tome, ouais, je commence vraiment à l'avoir pensé. Là, d'habitude, en général, je mets à peu près 1 heure pour lire un manga. Celui-là, j'ai dû le lire en 20 minutes parce qu'en fait, je survolais les cases et je me rappelais exactement de ce qui se disait, quels étaient l'enjeu, etc., de toutes les discussions. Et du coup, je me dis que peut-être l'année prochaine, je le relirai pas pour me concentrer sur les autres. Mais ouais, en fait, dès le tome 1, même le tome 2 ou autre, on a un petit peu d'éléments, on a un petit peu d'indices, et le fait de les relire, clairement, ça nous remet bien dans l'ambiance. Par contre, bah, c'est vrai vu qu'on connaît déjà la suite, on fait beaucoup plus attention à ces petits détails et on se dit, mais oui, c'est vrai, j'ai été bête de passer à côté lors de ma première lecture. Là, avec ce tome 5, on rentre vraiment, c'était déjà un peu le cas avec le tome 4, mais on rentre vraiment sur une phase un peu plus dark de la série, où il y a beaucoup plus d'enjeux, hein, parce que si je vous fais un résumé. Donc dans Père Fouettard Corporation, nous allons suivre le jeune Miharu Ono, qui travaille dans une supérette. Donc je vous montre le 2 parce que c'est ce personnage-là. Voilà, il travaille donc dans une supérette de nuit qui est ouverte H24, donc il prend le service de nuit et il y enchaîne les CDD puisqu'il a raté son concours pour rentrer à l'université. Cette situation ne le convient pas vraiment puisque lui, il rêve de décrocher un CDI et il trouve qu'il traîne un peu et qu'il passe beaucoup trop de temps dans cette supérette. Un jour, le soir de Noël, sur une bourde monumentale, il va rencontrer le Père Fouettard, donc le Père Fouettard qui est cette personne-là, et le Père Fouettard lui propose un CDI pour travailler pour lui, tout simplement. Il lui explique pas vraiment en quoi consiste le job, mais Miharu étant fin sou,
il accepte. Voilà, donc vraiment pour le pitch de départ de la série. Après, voilà, on a vraiment un esprit de Noël qui englobe un peu tout ça. On voit la fabrique des jouets, on voit plusieurs aspects, on voit aussi comment on va livrer les jouets aux enfants, etc. Sauf que le twist, c'est qu'on travaille bien pour le Père Fouettard et pas pour le Père Noël. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir un petit peu le décalage entre ce que les gens pensent et ce qui advient réellement. Voilà, et là on est vraiment sur une notion vraiment plus dark, et on a des antagonistes qui se font de plus en plus de place à l'intérieur de la saga. Et voilà, j'ai un peu hâte d'avoir le tome 6, même si je sais que je devrais encore patienter à peu près un an. Donc voilà pour ma première série de manga que j'ai pu lire. Sinon, j'ai commencé la série Les Carnets de l'apothicaire. Donc là, j'ai lu les trois premiers. Je suis actuellement en train de lire le 4. Enfin, je l'ai commencé hier soir et voilà, je suis tombée de fatigue, donc je l'ai laissé. Il me reste donc la moitié de celui-ci et les tomes 5 et 6 pour terminer la série. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc, dans cette série, on va suivre Mao Mao, qui est à peu près sur n'importe quelle couverture. Voilà, c'est une jeune apothicaire, comme le nom de la série l'indique. Et je vais vous montrer celui-là parce que c'est la couverture que je préfère, elle est violette. Donc, cette jeune apprentie apothicaire a été enlevée et vendue à la cour intérieure. Donc, on se passe au niveau du Japon, non, de la Chine, si je dis pas de conneries. Mais on est sur une période un peu féodale. Voilà, donc. On a des notions d'esclavage, on a des notions de vente d'êtres humains, ce genre de choses. C'est pas choquant dans l'univers parce que c'est un peu les lois du monde, voilà, enfin c'est les lois de l'époque. Et donc Mao Mao a été vendu pour 2 ans en fait à la cour intérieure. Et la cour intérieure, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est tout simplement l'endroit qui regroupe le harem de l'empereur. Donc l'empereur a plusieurs courtisanes qui lui sont dédiées. Et elle va devoir rentrer au service de ses courtisanes pour faire le ménage, pour faire d'autres choses, pour les habiller, etc., les maquiller, tout ça, tout ça. On suit cette jeune fille et son quotidien. On a quelques enquêtes qui vont arriver. Donc on a des histoires d'empoisonnement, etc. Puisque elle, étant apothicaire, elle a une bonne notion une bonne expérience des différents poisons qui peuvent exister. Elle est capable par exemple, de goûter une nourriture et de savoir si cette nourriture a été empoisonnée ou pas, parce qu'elle a un fort goût pour les poisons. Et elle va faire un petit peu son chemin à travers tout ça pour essayer de ne pas se faire zigouiller. D'après ce que j'ai compris, les 4 premiers tomes du manga forment l'adaptation du premier tome de light novel, et à partir du tome 5, donc on attaque le deuxième volume du light novel. Voilà, je ne sais pas combien de tomes possède la série de light novel et je ne sais pas combien de tomes la saga va faire. Par contre, j'aime beaucoup le dessin de la série. Le seul reproche que je peux faire en fait, c'est que Mao Mao est une personne assez intelligente, elle réfléchit beaucoup, et toutes ses phases de réflexion, elles sont quand même apportées dans les bulles. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression qu'on peut avoir par exemple 5-6 cases d'affilée où en fait elle va juste nous dérouler le fond de sa pensée, et en fait elle explicite vachement de choses. Il y a des trucs qu'on peut très bien comprendre en 2 lignes et elle va passer 3 ou 4 bulles, enfin 3 ou 4 cases à nous expliquer ça. Et clairement, pour moi, il y a quelques explications en trop. Après, est-ce que c'est parce que c'est fait comme ça dans le LN et que du coup ils sont obligés d'être fidèles, ou est-ce que c'est pour se dire ben le manga ça va être peut-être un public un peu plus jeune, donc il faut vraiment expliciter un peu tout parce que on va pas se dire que les lecteurs sont suffisamment intelligent, même si j'aime pas dire ça, mais pour comprendre un peu les choses qui sont juste sous-entendues et pas explicitées. Je sais pas quel est le problème. Par contre, voilà, je trouve que de temps en temps, il peut y avoir beaucoup trop d'explications. Donc pour la suite de la semaine, il faut que je termine, enfin pour la suite, pour jusqu'à demain, il faut que je termine la série, comme ça je l'aurai terminée en décembre. On sera content. Il faut que je vous parle un petit peu de roman, puisque je vous avais laissé sur le vlog précédent en vous disant
que j'étais en train de lire Gardien des Cités Perdues. Je l'ai terminé et les amis, mon Dieu, ça a été un coup de cœur phénoménal. J'ai adoré vraiment ce roman. À chaque fois que je devais le quitter, c'était vraiment un crève-cœur et je repensais tout le temps à mes personnages. Je pensais à Sophie, où est-ce qu'elle en est, etc. Comment, enfin, tu vois, j'essayais d'anticiper un peu la suite, un peu comme quand je regardais mes épisodes de Game of Thrones chaque semaine. Je me disais, ah ouais, les personnages, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après? Et ben là, c'était pareil. De chapitre en chapitre, j'étais comme ça. En plus, l'autre a mis pas mal de cliffhanger en fin de chapitre. On est sur des chapitres assez courts, hein, là, donc le roman fait un tout petit peu moins de 500 pages et on a 49 chapitres. Voilà, donc en moyenne, les chapitres font moins d'une dizaine de pages. Donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé à me dire, bah ok, en fait j'ai 10 minutes de lecture, peut-être que je vais pouvoir me caler un chapitre parce que si il fait 5-6 pages, bah c'est bon, ça passe. C'est un roman que j'ai pu prendre un peu n'importe quand dans ma journée. Et j'ai vraiment adoré cet univers. Pour vous dire à quel point j'ai adoré cet univers depuis que je l'ai terminé, je traîne sur Vinted et Le Bon Coin pour essayer de les trouver en version Lumen, en fait, donc en grand format, puisque là j'ai les deux premiers tomes au format PKJ et je me dis que voilà, c'est peut-être une saga que j'aimerais bien avoir en grand format pour les exposer. Après, je me dis en même temps, mais ok, tout le monde a eu un coup de cœur pour le premier tome et après c'est descendu un peu. Donc est-ce que j'attends un peu? Est-ce que je les continue en poche pour continuer la saga pour savoir si je les aime ou pas? Enfin voilà, c'est un bordel dans ma tête depuis que je l'ai terminé. J'ai envie d'avoir la suite. J'ai envie de continuer cette série et j'ai envie de retrouver Sophie, j'ai envie de retrouver Fitz. Pour le moment, je suis dans la team Kif, dans la team Sokif, parce que je sais pas comment elle s'appelle. Bref, j'aime beaucoup le personnage de Kif, il est vraiment très drôle à chaque fois qu'il intervient. On sent que voilà, il essaye de faire le garçon un peu marrant pour détendre un peu l'atmosphère, mais qu'il n'y a pas que ça, j'ai envie d'en connaître beaucoup plus sur ce personnage. C'est, ouais, en dehors de Sophie, c'est peut-être celui qui me plaît le plus. Et sinon, j'ai quand même dû faire mon deuil de Gardien des Cités Perdues, puisque j'avais pas pris le tome 2 avec moi en vacances. Donc j'ai commencé Wicked, histoire de changer, mais pas trop, on va rester quand même dans un univers SFFF. J'ai commencé Wicked, j'en suis là à la page presque 140. Donc voilà, j'ai pas énormément avancé. Par contre, c'est une lecture qui me prend beaucoup plus de temps à faire. Je sais pas si c'est du coup parce que c'est en grand format, donc il y a plus de lignes sur chaque page, ou si c'est le fait que, voilà, Gardien des Cités Perdues, c'est du jeunesse, donc forcément la plume, elle est travaillée pour que même un enfant de 9 ans puisse être happé vraiment par le texte, et que celui-ci est destiné aux adultes, donc il y a moins d'efforts pour rendre plus attrayant le bouquin. Par contre, au niveau de l'histoire, il n'y a aucun souci, j'aime beaucoup. Donc Wicked, ça va nous présenter la sorcière Elphaba, la fameuse sorcière, la méchante sorcière de l'Ouest dans l'univers Le Magicien d'Oz, et on va suivre donc l'histoire de son point de vue. Alors je dis de son point de vue, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à chaque fois, en tout cas là j'en suis à la deuxième partie, mais à chaque fois on va s'attacher à nous présenter des personnages qui la côtoient. Donc on va pas vraiment être avec elle son point de vue, ça va jamais être du jeu, ça va jamais être du narrateur omniscient qui est plutôt dans sa tête à elle. On est à chaque fois sur des narrateurs qui la côtoient. Donc sur toute la première partie, on va plutôt être avec sa mère, et là la deuxième partie, donc elle est à l'école et on va suivre ses camarades de classe. Voilà, donc cette sorcière, cette jeune fille, Elphaba, est née avec une monstruosité. Elle a la peau verte, c'est de l'inédit dans ce monde. Et voilà, on va suivre un petit peu son développement pour essayer de reprendre le conte du magicien d'Oz, mais avec la sauce, le point de vue Elphaba. Bien, je crois qu'on est arrivé au bout de tout ce que je devais vous dire par rapport aux lectures. Je vais vous laisser là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce en l'air, un petit commentaire si vous voulez papoter avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!
c'est sanglier ou du dinde? Non, c'est du chamois ça. Le qui? Ça c'est pas du sanglier. C'est trop petit pour être du sanglier. Ou alors du marcassin, mais normalement. Sanglier... Bah il devrait y avoir les parents à côté quoi. Mais normalement, regarde là, il y a des cacas de chamois. Regarde celle-là! C'est quoi? J'ai une trace de pitou! Le sanglier, normalement, c'est pas aussi rapproché que ça. Et en plus, ça prend à l'arrière en plus. Il y a un truc qui vient piquer à l'arrière.